Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, l'épisode 2, pardon. J'ai changé une autre pro, j'ai pris la 3, j'ai tout changé. Okay. L'épisode qui démarre déjà très très mal, là, qui démarre à la rigueur, qu'il fallait pas. Je vois que ça, moi. Oh là là, mon gars sort pas ce truc. Oh là 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 là. Vas-y, bouge ton truc là. Je vous pose avec l'archaïque. Bon, c'est pas grave ça. Ça les gars, ça peut encore se rattraper les crèmes. Ouais, mais mon gars, sors pas ton truc comme ça, je vais te le dire, je vais te sauver la vie. Même si on m'entend pas, mais bon, bonne raison. Hein. C'est bien que ce truc-là, ça, en plus, c'est très très puissant. Justement, c'est pour ça que j'ai pas envie qu'il le sorte. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'il le sorte. Bon, allez. On est dans la merde. Ok, ça joue plus comme ça. Et bah ok. Mais je vais mettre les archers, je vais mettre des trucs avec des flèches. Ah, les gobelets. En place de ça, voilà. Ma mousquetaire à la place de quoi? De l'archaïque. Voilà. Si je change pas d'office à mes cartes, ben ça va pas aller. Justement, mon gars, ça va pas sortir ton arc. Là, c'est ça, moi. Voilà, c'est bon comme ça. C'est bon, on est gêne, on est gêne. Aïe. Là, non, là, je suis sur ça alors. Hein.
sur le truc. Non, justement, je vais mettre ça. Bon, car je vois bien que c'est la bonne troupe, donc si je me permets, ben voilà, voilà. C'est toi? Ok, je continue. J'ai joué avec. Aussi les gens pour des cons, hein. Punaise. Oh non, pas ce truc. Publique reste hostile à une Europe fédérale. En 1956, à Val-Duchesse, Paul-Henri Spaak, président des travaux, tente de trouver un terrain d'entente entre la France, l'Allemagne, non, l'Italie et les pays. Oh. Quand on le voyait, on parlait politique, on parlait Europe, on nous racontait ce qui se passait, et puis il y avait une atmosphère à Bruxelles, ça se passait à Val-Duchesse. Quand c'est le vu que je sais que je gagne aussi facile avec ses troupes, donc Grâce à son art de la synthèse, le ministre des Affaires étrangères belge aboutit à un ça continue. Ok. Il y a qui encore avec moi? Hugo, la même personne, quoi. Que toi, toi. 60 ans plus tard, l'Union européenne reste toujours un chantier à construire. Une Union européenne en pleine crise existentielle après le Brexit. Et si l'on en croit notre sondage RT Ipsos, de nombreux Belges, près de 7% pensent que l'Union ne va pas dans la bonne direction et perdent foi en ses institutions. Les détails avec Mélanie Renda et Emmanuel Tanaric. Globalement, pensez-vous que l'Union européenne va dans la bonne ou la mauvaise direction? Voici vos réponses. On va dire que la direction, mais je pense que la barre va être très difficile à redresser. Je pense que c'est très dangereux parce que tous les partis extrême droite, extrême gauche qui sont en train de se faire. Mais j'espère que ça donnera envie à l'Europe avec les différents mouvements opposants et tout. Oh, le gamin! Ça diminue malheureusement. Ipsos a posé la question aux habitants de 9 pays membres de l'Union européenne.
En Belgique, 69% des personnes interrogées estiment que l'Union européenne. Moi, j'ai jamais le mousquetaire. À la question, en 60 ans, l'Europe a-t-elle connu plus de succès ou d'échecs? Trois pays fondateurs se retrouvent dans la difficulté, avec selon eux 33% d'échecs. Autre donnée interpellante à l'heure du Brexit, à 40%, l'Europe est un succès pour les Britanniques. L'Europe, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Je pense que le Brexit a été. Ouais, allez. C'est-tu l'euro, là, votre vie a changé? Oui. Positivement, négativement. Pourquoi? Bah, quand on fait nos courses, il n'y a plus grand-chose à regarder. Hein. Selon le sondage Ipsos, les Belges, la société devrait être l'Union européenne, suivent le terrorisme, l'emploi et l'immigration clandestine. Les Belges sont aussi les moins favorables à l'entrée de nouveaux pays dans l'Union européenne. Après le décret anti-immigration, Donald Trump essuie un nouveau revers politique et peine à mettre en place ses promesses de campagne. Hier, il a dû renoncer à abroger l'assurance maladie mise en place par son prédécesseur devant les dissensions au sein de son propre camp. Justine Roland-Paris. Il vante souvent ses talents de négociateur, pourtant Donald Trump n'a pas su convaincre sa majorité républicaine au Congrès. Sur les 237 élus républicains, une trentaine s'est déclarée contre le texte du président. Oh, les gars, celle-là, je l'avais pas vue. D'atteindre la majorité, Donald Trump a souhaité rapidement s'exprimer sur cet échec. Je ne suis pas trahi, ce sont mes amis, mais je suis un peu déçu parce que nous aurions pu le faire et pour être honnête avec vous, je suis un peu surpris. C'était pas possible. Ne pas avoir voulu supprimer ses pouvoirs dès son arrivée à la Maison Blanche. Vous avez tous entendu mes discours. J'ai jamais dit de l'abroger ou de le remplacer dans les 64 jours. Et pourtant, mon premier jour à la Maison Blanche, je vais demander au Congrès de mettre un projet sur mon bureau pour se débarrasser de cette loi désastreuse. À la sortie du Congrès hier, les politiques soutenant le projet de Trump ne cachaient pas leur mécontentement. Déception, c'est une perte pour la France. Je ne veux pas dire que ce n'est pas la même chose à faire. D'autres, en revanche, restent persuadés que le texte. Punaise, y'a personne. Personne pour les attaquer ou pour les contrer, là. Là, il a pris une mauvaise troupe. Ce serait particulièrement nocif pour les personnes âgées et les zones rurales à travers les États-Unis. Pour le président, c'est un échec de plus après la suspension du décret migratoire, une autre promesse phare de sa campagne. Il va maintenant passer au deuxième chantier législatif de l'année, une réforme fiscale et une baisse d'impôts. J'ajoute que le président américain a donné son feu vert pour la construction d'un oléoduc gigantesque entre le Canada et les États-Unis, provoquant la colère des associations de défense de l'environnement qui ont promis de riposter. Oh, gamin. Mondial, une heure pour la planète, en plongeant dans l'obscurité son opéra et le port, suivi dans le monde entier qui rappelle la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique. Oui. Le phénomène est encore mal connu et difficile à appréhender, mais il existe. Le suicide chez les agriculteurs, un métier très exigeant, qui a connu de nombreuses difficultés économiques. Oui, voilà, mais ça. N'existe concernant la Wallonie. Les archers. Mais certains députés wallons souhaitent que l'on se penche sur la question. Des structures existent déjà pour aider les agriculteurs en difficulté. Un reportage d'Olivier Pierre, Mathieu Langer, Anne Nugent et Julien Rauch. Tiens, je n'ai jamais testé avec cette troupe, donc. L'agriculteur s'est suicidé. Je savais, mon mari, peut-être rien fragile. Aïe. Genre, on est 6 sur sa côte et vous allez me dire qu'il n'y en a pas un qui est capable de me rejoindre, hein. Ah, le King Royal. Je crois que c'est lui. Le suicide existe chez les agriculteurs, comme dans d'autres catégories professionnelles. Les difficultés économiques ne sont pas toujours la cause, mais elles alimentent parfois une spirale négative. Chaque cas est différent. Maintenant, tout fait toujours un petit peu boule de neige aussi, parfois.
Ça peut être le départ de l'épouse qui décide de plus vivre sur l'exploitation. Et puis, madame faisait les papiers et tout ce qui était charge administrative. La charge administrative est moins bien faite qu'une épouse. Très, très vite, des factures à payer, des choses qui se passent. La banque va rembourser. Et à ce moment-là, on se retrouve très vite en difficulté. Des organismes existent, comme le groupe de soutien de l'Union des agricultrices wallonnes, qui vont en aide aux exploitants en difficulté. Encore faut-il que le fermier fasse le premier pas. Certains députés se demandent si les vétérinaires ne pourraient pas alerter ces instances. Très proches de l'agriculteur, ils sont bien placés pour constater la dégradation du bétail, les honoraires à payer, si c'est un malaise. Plutôt que de pouvoir donner corps à son premier rencontre avec ses yeux, aller dire un petit mot à son épouse et voir ce qui se passe avec les enfants, en parler. Tiens, comment se va Joseph? On ne va pas pour l'instant. Ah, ben, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne ferais pas bien d'aller voir quelqu'un? Ça, le vétérinaire peut le faire, parce qu'il a une implication dans l'entreprise agricole. De là à transmettre nos impressions à l'extérieur de la ferme, les vétérinaires hésitent. En tous les cas, informer au plus tôt leurs problèmes financiers, des économistes et agronomes de la ferme peuvent intervenir préventivement pour éviter l'engrenage. Ça permet de faire une pause, une photographie de la situation, de réfléchir avec l'agriculteur, de mettre en place des pistes de solutions techniques et pratiques, qui sont aidées par le comptable de la ferme, par le nutritionniste de la ferme, etc. Magda fait elle-même appel à des structures qui l'ont aidé à rebondir. De toute façon, peut-être descendre d'un étage entier pour rebondir et redémarrer. Et aujourd'hui, comme bénévole, elle vient en aide aux agriculteurs en difficulté. Pour suivre ces images choquantes qui ont fait réagir les autorités compétentes, elles dévoilent les pratiques utilisées dans l'abattoir de Tilt en Flandre. On y voit des cochons maltraités avant d'être tués. Les agriculteurs et les wallons ont également réagi et dénoncent ce genre de pratiques. Aïe, ça là, par contre, ça risque de faire un gros boum boum. Fanny Bué, Anne-Léger. Des porcs plongés dans l'eau bouillante, maltraités à sang, sont partis. Les images font réagir et choquent les éleveurs wallons. Ce que les autres disent, c'est le fait qu'eux, ils ont énormément de soins et chouchous. Quand même, quoi. Pas trop sympa, là. Allez, ciao. À la fin.